merde! Tu nous fais quoi, là? J'étais mieux placé! Arrête, vous étiez marqués tous les deux. Je croyais que j'aurais le temps. T'es un naze. C'est pas juste, il restait encore 2 secondes! Le panneau est mort, c'est mon chrono qui compte. C'est terminé, mon vieux. Putain. Salut. Ouais, salut. Je commençais à me demander si un jour tu allais sortir de là. Tu veux savoir? Ça a failli. Et ça va? Ah ouais. À part que j'ai envie de me suicider, je tiendrai jusqu'à mardi. Je suis désolée. Non, t'inquiète. On va faire avec. Ouais. Je te ramène? Ouais. Maintenant? Ouais. On y va. Ouais. T'es en train de penser à quoi? J'ai merdé, j'ai tout foutu en l'air. À la dernière seconde. Yann. Oui, ce n'est qu'un jeu. Je sais que ce n'est qu'un jeu. Mais... ouais, ça sert à rien, c'est fini de toute façon. Si tu veux, on peut en parler? Non, il y a juste des jours où tout roule parfaitement et d'autres jours où ça merde à fond. Ouais, comme tout le monde. Aujourd'hui, ben, c'était un jour à la con. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Quoi? Attends, t'as bien vu que le tableau était tombé en panne? Oui, tout le monde l'a vu. Ce que je veux dire, c'est que jamais il n'aurait dû tomber en panne. Non, 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 non. Aujourd'hui, ça a vraiment été une journée pourrie sur toute la ligne. Bébé. Allez, c'est pas si dramatique, non? Ouais, t'as raison, c'est moi qui dramatise, je sais. Je crois que je peux te faire oublier cette journée. Vaut mieux que je rentre. Tu m'appelles tout à l'heure? Et je suis folle de toi. Merci. Bonne nuit. Toi aussi. Au revoir. Ça.
Ça va pas? Putain de merde! Allô? Allô? Yann? Tu as pu jeter un œil sur les stats que je t'ai envoyés? Oui, les stats. Ouais. En fait, j'allais m'y mettre. À l'instant. Marcus voudrait les profils des clients dans son bureau à 18h. Je te souhaite bon courage. Hey! Ça va? Oui, je crois que j'étais parti ailleurs, excuse-moi. Salut. Salut. Tu t'es remis à fumer? Non, j'ai justement arrêté hier. Bonne résolution. Ouais, c'est un premier pas. Prêt pour la mauvaise nouvelle? Les achats veulent un rapport sur tous ces dossiers. Désolée. Oh. Ouais. Rends-moi service. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tue-moi, maintenant. Tu rigoles, je pourrais plus t'amener tous ces fichus dossiers et faire de ton existence un enfer. Alors, il n'y a que ça qui t'amuse? Ben, peut-être que ça m'embêterait de ne plus voir ta jolie petite tête. Tu vas toujours voir ta famille ce week-end? Ouais. Ça n'a pas l'air de t'emballer. C'est que... ma mère va encore me dire « Pourquoi tu n'es pas comme tes sœurs, mariée avec 3 gentils enfants ?» Rends-moi service. Vas-y. Tue-moi si je deviens comme mes sœurs. Tu me priverais de voir tous les jours ta jolie petite tête.
Salut. Bon courage, Carl. Essayez de rester calme, monsieur. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a fait un malaise. Mais merde. Appelez une ambulance. D'accord. Dénouez-lui sa cravate, il lui faut de l'air. Essayez de ne pas trop bouger. Gardez les yeux ouverts. Respirez doucement. Oui, quelqu'un a fait un malaise. Non, personne ne sait qui c'est. Il a de plus en plus de mal à respirer. Respirez calmement, monsieur. Seigneur. Ce n'est que moi. Désolé, Médée. T'es fatiguée? Oui. Je suis rentrée direct à la maison et je me suis endormie. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. T'es passé au pressing en rentrant? Zut. Non, ça fait déjà deux fois. Je sais, je suis désolée. Je suis désolée. Idiot. Je t'ai rapporté un petit cadeau. C'est vrai? Je sais pas si tu le mérites. Tu le veux tout de suite? Ou plus tard? Je crois que je vais opter pour plus tard. Je te donne ton cadeau, mais jure-moi que tu l'aimeras. Croix de bois, croix de fer, si je meurs... Si tu meurs, tu en enfer. C'est lourd, ça a dû te coûter un max. Hein. Mes économies depuis 20 ans. Oh. Ouvre-le. Ok. Ah. Elle est carrément superbe. T'es toujours en retard, ça te servira? Ouais, et tu veux que je te dise? Je l'adore. Attends, apparemment, il y a un chronomètre. Et plein d'autres fonctions. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Quoi, ça va pas? Non, je t'assure, ça va. Je l'adore. Je te connais. J'ai vu quelqu'un mourir aujourd'hui. Quoi? Juste en sortant du boulot.
là, devant mes yeux. On s'était croisés dans l'ascenseur juste avant. Oh, mon Dieu. Il y avait... Il y avait aussi ce type à côté de lui. Au début, j'ai cru qu'il était là pour l'aider, seulement... C'est curieux. Je sais pas, j'ai vu un drôle. Quoi? J'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Je sais pas trop ce que j'ai vu. Par contre, c'est bizarre, j'ai trouvé qu'il ressemblait à un arbitre que j'ai connu quand je jouais au hockey. Tous les deux, on s'aimait pas. Tu m'as jamais dit que tu jouais au hockey? Bien sûr que si. Je joue à la fac, je te l'ai dit au moins 100 fois. Non, je suis sûre que non. Sauf que moi, je suis sûre que si. Je vais te trouver une photo. Tiens, juste là. Numéro 17. Le 17 a dû plaire à des tonnes de filles, mais ce n'est pas toi. Quoi? Ça devrait être moi. Donc, j'aurais jamais fait de hockey. Ce qui veut dire que je me souviens de trucs précis qui ne se sont jamais produits. Je sais pas, peut-être que je deviens fou. Quoi, tu crois que tu as un problème? Non, moi ça va, je me sens bien, sauf que se rappeler des trucs qui se sont jamais passés, je sais pas si c'est très normal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves pas ça bizarre? Tout le monde vit des trucs bizarres un jour. C'est pas ce que je te demande. Toi, tu trouves pas ça dingue, sérieux? Yann, tu es en train de parler à une fille à qui les parents ont donné le nom d'une sorcière qui a tué ses propres enfants. J'avais oublié. Alors, excuse-moi si quelquefois je n'ai pas tout à fait les mêmes valeurs du bizarre. Ouais, n'empêche que c'est curieux. En tout cas, moi, je vais me coucher. Tu devrais en faire autant. Yann, tu vas être en retard! Oh,
putain de merde. Ça serait bien qu'un jour tu travailles alors. Pour pas prendre le risque d'être viré, ce serait beaucoup moins drôle. S'il vous plaît, arrêtez-vous! Arrêtez, je voudrais descendre! Merci. Non, j'ai quelque chose à vous dire. Désolé, j'ai rien sur moi, je suis désolé. Yann! Il faut que je vous parle. Je vous en prie, écoutez-moi, on va vous tuer. Suivez-moi, allons dans un endroit plus calme, allez, venez! Dépêchez-vous. Je vous demande pardon, on se connaît. Votre montre s'est arrêtée, n'est-ce pas? Hein? Votre montre! Après être partie de chez vous, elle s'est arrêtée. Dès qu'une montre s'arrête, ils arrivent. Qui? Vous savez qui? Je suis désolé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes quelqu'un de plutôt intelligent. Ne laissez pas le déni l'emporter. Enfin, mais qui êtes-vous? Aucune importance. Si, justement, c'est important. Ils sont à vos trousses, Yann. Depuis hier après-midi, quand vous vous êtes réveillé au bureau, cette nouvelle vie a commencé. Une nouvelle vie a commencé? Oui. Ah oui? Oui, ils l'ont créée pour vous. Aujourd'hui, à 17h03, vous vous êtes retrouvé dans un bureau, un an après vos études à l'université, étriqué dans un costume cravate. Ah non, ne me touchez pas! Tout ce que vous détestez. Avant ça, Yann, vous étiez hockeyeur dans une équipe universitaire. Comment ça, hockeyeur? Je l'ai vraiment été? Oui, et avant, vous étiez quelqu'un d'autre. Non, 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 écoutez-moi. S'il vous tue, toutes ces horreurs vont se reproduire encore et encore. Attendez, qu'est-ce que vous racontez? Si on me tue, je meurs, c'est tout! Vous ne mourrez pas. Il vous assassine tous les jours. À chaque fois, l'heure est différente, l'endroit est différent, votre vie est différente. Vous ne savez jamais quand ils viennent vous chercher, mais tôt ou tard, ils vous tuent. C'est insensé. Vous ignorez à quoi vous avez affaire. Ils changent la réalité, ils contrôlent votre esprit. On voit ce qu'ils veulent bien qu'on voit. Bordel, c'est qui c'est il à la fin? Les gens leur donnent des noms différents, des fantômes, des démons. Non, me servez pas des conneries, vos tout, d'accord? Ils coexistent avec les humains, mais dans une autre dimension. Ils sont visibles uniquement lorsqu'ils ont le désir d'être vus. Et ils vous pourchassent parce qu'ils veulent vous empêcher. Quoi? M'empêcher quoi? De vous souvenir. D'accord, me souvenir de quoi? Ils vous tueront jusqu'au moment où vous ferez ce qu'ils mais veulent. Mais ça suffit, les énigmes! Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah! Non! Ah! Sauvez-vous, Yann! Sauvez-vous! Courez! Qu'est-ce que t'as, toi? Vas-y, réponds! Merde! Hé! Arrêtez! Arrêtez! Putain! Ah!
là. Mais ils veulent me tuer. Qui ça? J'en sais rien. J'en sais rien. Diane, calme-toi et raconte-moi. Chut. Tu les entends? Tu les entends? Chut. Yann. Je te demande pardon, Yann. Je suis désolée. Je n'aime pas faire ça, Yann. Mais tu ne me laisses pas le choix. Garez-vous et prenez un café, ça vaut mieux. Non, ça va aller, je suis désolé. Vous savez, les pourboires sont généralement plus conséquents si les gens arrivent en vie. Oui, je sais. Vous disiez que vous alliez chez vos parents pour le week-end, c'est ça? Oui. Ah. J'ai raté mon train. À la dernière minute. Vous n'êtes pas très emballé. Bien, c'est que ma mère va encore me dire... Pourquoi tu n'es pas comme tes sœurs, mariée avec trois gentils enfants? Ouais, vous serez chez vous en moins de deux. C'est drôle pour moi, avec ma mère qui utilisait cette expression. Merci, tenez. Merci. Non, non, attendez, mademoiselle. C'est trop, reprenez ça, j'ai failli vous tuer. Vous m'avez conduite jusqu'ici, et je suis toujours en vie. Merci. Pourquoi ne pas entrer quelques secondes? Je vais vous faire un bon café. C'est une mauvaise idée, à mon avis. Je vais déranger et votre maman va croire que vous allez avoir trois enfants avec un chauffeur de taxi. Elle va faire un affaire. D'accord. Bon, je peux vous faire un café et vous l'apporter. Oui, ça c'est faisable. Parfait. Deux minutes. Ok, j'attends.
Ça va? Oui, il faut que j'y aille. Un appel urgent. Vous voulez votre café? Ah oui, merci. Au revoir. Au revoir. Yann. Je vous connais. Comment je vous connais? Vous devez vous souvenir, Yann. Ils vont bientôt arriver. Souvenez-vous, mais surtout ne les laissez pas la trouver. S'il la trouve, des choses horribles peuvent lui arriver. Et cette fois, ce sera la fin pour vous. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qui m'arrive, bordel ? Ce week-end. Je vais te laisser, ok? On se rappelle. Oui, oui, sans faute. Je t'aime. Bye. Au revoir. Veuillez m'excuser. Alors, Yann. Vous avez cherché du travail cette semaine? Ouais. J'ai eu 3 rendez-vous, finalement. Ça m'a pris la semaine entière, j'ai rien pu faire d'autre. Et que s'est-il passé avec Monsieur Glenn? Il m'a pris la tête. En plus, j'avais pas envie de rester à pourrir dans ce camion. Est-ce que la pendule s'est arrêtée? Comment? La pendule, est-ce qu'elle s'est arrêtée? Répondez. Pourquoi se serait-elle arrêtée? Vous vous sentez bien? Ouais. Vous allez croire que je suis complètement dingue. Seulement, je n'arrête pas de me réveiller. Dans des endroits différents. Ma vie, les choses changent. Vous êtes toujours là. Yann, je croyais que vous aviez décroché pourtant. Quoi? Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Non, je suis sérieux, il y a des gens qui sont à mes trousses, et ces gens essaient de me tuer. Ah oui. Non, je vous raconte pas de conneries. Tout ce que je dis est vrai, ça s'est passé. Oui, d'accord, je vous crois, Yann. Faites pas celle qui est d'accord, je sais que vous ne me croyez pas, c'est dingue. Attendez, essayez de vous calmer maintenant, ok? Vous êtes difficile à suivre, expliquez-moi, je peux peut-être vous aider, mais calmez-vous. Mon Dieu. C'est pas vrai, ça recommence.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Yann! Merde! T'excuse pas! Yann! Yann! Laissez-moi passer! Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi! Yann, lâchez-moi! Ah, écoutez-moi! Oh mon Dieu! C'est toi! Bien sûr que c'est toi qui le cherche! Qui me cherche? Virginie, écoute-moi! Tu es en danger! Tu comprends? Comment ça? Yann, ça ne sert à rien. Oh merde! Yann! Yann! Jenny, surtout me suis pas! Non mais ça va pas! T'es complètement malade! Ouais, c'est ça! Fonce! Allez, fonce! Alors? On va où, là? On a horreur de faire ça, Yann. Mais tu ne nous laisses pas le choix. Dommage. T'es forcé d'écouter cette merde aussi fort! Tout tremble là-haut! Jenny? J'appelle la proprio la prochaine fois. Jenny? Oh, t'as vu dans quel état tu es? Oh. Mais j'ai de la peine pour lui. Il n'est pas toujours comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord, je téléphonerai à la propriétaire. Non, te dérange pas, t'inquiète, ça va. Ok.
Non, c'est moi qui viens. T'as un écran plat dernier modèle. Je vais pas le faire demain, t'inquiète pas. Fais gaffe, Yann, si tu t'approches, je te plante. Jenny, tu me connais? Bien sûr que je te connais. On se voit au bureau. Quel bureau? Tu veux que j'appelle une ambulance? Non. Non. Qu'est-ce que tu as? Je vais chercher de l'aide, je reviens. Non, ne va pas. On se connaît bien plus que tu le crois. Qu'est-ce que tu veux dire? T'en as assez d'entendre ta mère dire qu'elle aimerait que tu te maries, que t'es des gosses, comme tes sœurs. S'il te plaît, Jenny, il faut que tu te souviennes. Lève-toi vite! Allez, allez! Tu n'apprendras jamais. Tu devrais essayer de te calmer, Yann. Parce que je peux te tuer jour après jour. Yann! Viens! Yann, c'était quoi? J'en sais encore rien. Et toi? Dis-moi, quand on était à l'appart, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en sais rien. C'était comme si quelque chose m'attaquait. De l'intérieur. Attends. Viens. Ça a l'air de s'arranger. Non, je me sens pas mieux. Je déteste voir dans cet état-là. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as l'air aussi angoissé que lorsque tu allais à un match. Quand j'étais à la fac. Oui. Tu te rappelles ça? Bien sûr, on sortait ensemble. Oui, c'est vrai. Depuis plus d'un an. Et tu jouais au hockey? Oui, et tu vivais encore chez tes parents. Non. Non. Je sais, c'est dingue. Seulement... Mais c'est vrai. C'est pas possible. La preuve, tu te souviens quand on bossait tous les deux? Tu te souviens de ça? Tu te souviens du taxi? Oui. Depuis quand tu te souviens? Quand tu m'as dit que je devais me souvenir et aussi quand tu as raconté que j'avais pas l'air heureuse de rentrer chez moi. Ouais. Tu ne pouvais pas être au courant. Et le reste, ça m'est
revenu peu à peu. Est-ce qu'ils nous suivent? Non, pas encore. Écoute, on va rester là sur cette ligne aussi longtemps qu'on pourra, d'accord? Il faut mettre de la distance entre eux et toi. Non, 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 c'est pas une question de distance. Où qu'on soit, ils nous retrouvent. Faut essayer. Peut-être que ça nous donnera du temps. Combien de temps, à ton avis? Assez pour ne pas être tué? Écoute, je suis désolé. Pardonne-moi, je regrette de t'avoir impliqué là-dedans. Si j'en avais eu le courage, je t'aurais éloigné de moi un maximum. Hé! Hey, je suis avec toi, ok? Ok? Ouais. C'est pas la forme. Vu votre tête, vous n'avez pas l'air d'être mieux. Vous êtes un des leurs, en fait. Je suis un moissonneur. On ne meurt pas. Mais on doit se nourrir. On se nourrit d'humains. Se nourrir? Comment? Je vais vous montrer. Laissez-vous voir. Nous nous nourrissons de leur peur. Vous êtes quoi, une sorte de vampire? Ça nous aide à garder notre force. Mais voilà, on s'est corrompu. On a commencé par se nourrir de leur peur ainsi que de leur douleur. Cette recherche a été incessante. On est carrément devenu addict. La peur qu'ils éprouvent juste avant une mort violente est devenue un moment d'extase. C'était le must du must. C'était notre drogue préférée. Une fois qu'on a goûté à ce délice, on ne s'arrête plus. On est accro de plus en plus. Alors on se met en quête. Et on tue pour en trouver. Nous sommes passés à l'heure de parasite à prédateur. Nous ne faisons que chasser. C'est notre lot quotidien. Combien êtes-vous en tout? Difficile à dire, vraiment. Et pourquoi ils s'en prennent à moi? Ils se vengent. Vous les avez trahis, Yann, et ils ne vous laisseront pas vous souvenir jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen pour vous faire revenir parmi eux. Ou vous détruire.
Vous étiez le plus puissant d'entre eux. Ils ne peuvent pas vous tuer, mais en s'unissant, ils ont le pouvoir de vous transférer de vie en vie autant de fois qu'ils le désirent. Elle est très précieuse. Pour sauver un être cher, on est capable de beaucoup. Mais enfin, de quoi vous parlez? Vous devez la protéger, Yann. Elle est votre seule et unique chance. Ils vous ont trouvé. Jenny, je t'en prie, réveille-toi. Quoi? On doit y aller, vite, debout. Bien joué, mec. Sauve-toi! Yann, vite! Serais-tu fatigué? Relève-toi! Yann. Quel drôle de prénom. On pourrait t'en trouver un mieux si tu veux. Je t'en prie, Yann, relève-toi! Tu le sens, hein? Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu te souviens. Le sang se souvient toujours. Oh, Yann! Non? Le sien? Peut-être. Quoi? Pitié? Pour ça? Mais voilà, la nécessité pèse plus lourd que les sentiments. Hein, Yann? Oh, sa peur t'envahit. C'est quelque chose que tu as en toi. Reviens avec nous, Yann. Reviens te joindre à nous. Prends-la. Léo! Y'a quelqu'un? Au secours! Au secours! Au secours!
Personne ne peut t'entendre, navré. Hey! Tu te sens mieux ou non? Non. Deux choix s'offrent à toi. Soit tu te nourris, soit tu meurs de faim. Tu n'es pas très coopératif. À quoi sert de résister puisqu'on te contrôle? Oui, tu as toujours ces vieux souvenirs qui te reviennent. Même si on s'efforce de t'épuiser en te tuant encore et encore et encore. Alors le temps des réponses est venu. Comment as-tu fait, Yann? Tu ne te souviens pas? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Tu as tué l'un des nôtres! Un des tiens! Jamais tu n'aurais pu faire ça tout seul. Réponds, je veux savoir. Oh, tu uses ton énergie, Yann. J'attends. On sait que tu as eu l'aide d'une personne. Dis-moi qui est-ce. Juste pour info. Est-ce quelqu'un d'entre nous? À moins que ce ne soit quelqu'un comme toi. On est prêt. On va te soigner, tu vas aller mieux. Tu comprends pourquoi on ne peut pas te laisser partir. Tu es une bien trop grande menace. Un moissonneur qui tue l'un de sa propre espèce. Malgré le fait qu'on ne puisse pas te tuer, on peut te faire du mal. Tu nous as tourné le dos et tu nous as abandonnés, Yann. Pourquoi tu as fait ça? J'en sais rien. Si, je crois que tu le sais. Mais tu cherches à le dissimuler. Je parie que c'est caché là, quelque part. Il faut juste le faire sortir. Non, attendez, 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 attendez! Non! Tu es affaibli, Yann. Mais tu ne vas pas mourir. Seulement la douleur va t'envahir. T'envahir et empirer pour l'éternité. Tu dois te nourrir! Jamais. Ah oui? Alors on va te faire changer d'avis. Croix de bois. Croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Non! 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 Tu dois avoir très faim, Yann. On s'en occupe, n'aie crainte. Jamais on ne laisse l'un des nôtres. On est une famille. Ça va, Toby? Comment tu te sens? Un peu mieux? Qu'est-ce que vous voulez? D'ici, tu peux sentir sa peur. Essaie de dormir maintenant. Je viens te voir tout à l'heure.
Ne lutte pas contre toi-même. Non, arrête, pas de gaspillage, tu veux bien? Non, non, c'est un enfant. Non, laissez-le tranquille. Toby, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Calme-toi. Docteur Gilbert! Ne la regarde pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Toby, calme-toi. Calme-toi. Est-ce que tu m'entends? Non! Non! Toby, 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 dis-nous ce qui se passe. Non! Non! Tout va bien. Accrochez-vous. Je n'aime pas faire ça, Yann. Mais tu ne me laisses pas le choix. S'il vous tue, ces horreurs continueront encore et encore. Bravo, belle performance! Tu l'as fait passer d'une vie à une autre! C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Vous devez la protéger. C'est votre seule et unique chance. Tu nous as laissés pour ça! Tu veux savoir ce qui va se passer? Une fois morte, tu nous reviendras. Non! Des choses horribles peuvent lui arriver, et ce sera la fin pour vous. Désolé. J'avais espéré que vous pourriez continuer. Continuer à la protéger. J'ai essayé. Vous devez les arrêter à tout prix, Yann. Ce que vous puisez en elle est plus puissant que la peur. Ça vous donne la force de détruire les moissonneurs. Mais ça vous donne aussi le pouvoir de donner la vie. C'est fini. N'abandonnez pas. Aidez-la. Jenny vous a changé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Essayez de comprendre qu'à présent vous êtes différent des autres. Vous avez changé. J'en ai tué tellement, Yann. Quand tu commences ton existence dans ce monde obscur, tu ne connais que ça. Tout ce que tu fais est rythmé par ça. Pourtant, j'ai trouvé quelqu'un. Quelqu'un comme Jenny. Elle aussi, elle m'a changé. Et comment?
La douleur et la peur ne faisaient plus partie de mes motivations. J'ai trouvé une nouvelle vie dans son amour. Il m'a donné la force de me battre. Jusqu'à ce qu'il l'apprenne. Aussi longtemps que Jenny sera en vie, vous aurez une chance. Surtout, ne la gâchez pas. Vous devez vous nourrir. J'en refuse. Il le faut. Pour Jenny. Je ne veux pas faire de mal. N'ayez crainte. Ce sera une délivrance pour moi. En prie. Vous avez déjà trouvé l'amour. Vous le retrouverez encore. Vous croyez que je n'ai pas cherché? Je suis fatigué. Mon heure est arrivée. Vous avez toujours peur. Retrouve-moi. Un bilan sanguin complet, ainsi qu'une radio du Drax. Comme ça, nous aurons l'élément de comparaison pour ajuster. D'accord. Bonsoir. Bonsoir.
Jenny! Viens la chercher, Yann! Au secours! Yann! Viens m'aider! M'aider! Je te promets une fin grandiose. Ah, oui? Pour qui tu prends? Laisse-la! Comment a-t-elle fait pour te changer en un gentil petit ange qui veut sauver son âme? J'ignore comment c'est possible! Mais je le découvrirai. Non! Tu me répugnes! T'es pas assez forte pour m'arrêter! D'autres vont venir m'aider. Vraiment? Tu es devenu une infection. C'est fini pour toi! On vient à peine de commencer. C'est bien ce que tu veux, non? Jouer au petit couple parfait. Si tu veux. Tu aimerais quoi pour ta prochaine vie? Je peux juste te promettre qu'elle ne sera pas agréable et que elle n'en fera pas partie cette fois. M'aider! Tu peux tout arrêter, Yann. Pitié! Tu sens sa peur, n'est-ce pas? C'est pour nous une nourriture de soir. T'as raison. Elle est très précieuse. Ça vous donnera la force de détruire les monstres. Ce pouvoir peut aussi donner la vie. Chut, regarde-moi, je suis là. Ça va aller, je suis là. Il ne faut pas que tu te souviennes, d'accord? Ça va aller maintenant, mais surtout, aie confiance en moi. Je t'aime. Moi aussi. Allez, tire! Yeah.
avait été génial. Ouais. Tu peux me passer le truc, merci. C'était magnifique. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un héros? Oh, je t'adore. On s'habitue vite aux bonnes choses. Mais elle est pas si mal, la vie, hein. En tout cas, s'il fallait en choisir une, c'est celle-là que je prendrais. Moi aussi. Hé, hey, c'est mon tour. Hé, hey, espèce de charogne, fiche le camp. Encore bravo. Merci. Pourquoi? Pour avoir fait de moi un humain. Ah, mais de quoi tu parles? Peut-être que je te le dirai un jour. Ah, il faut que j'aille voir un truc, excuse-moi. En quoi tu parles? Non, j'en ai juste pour 2 secondes. Je vais voir quelqu'un, attends-moi là. D'accord. 2 secondes, à pas plus. Tu as peur ?